Bon, eh bien, bienvenue à cette dégustation de jambon noir de Bigorre. Donc, on est dans la biodiversité sauvée, enfin. Vous voyez, c'était les années 80. Il restait 4 veras, environ 80 truies, à peine. Ils étaient 3 ou 4 producteurs et plus sympathisants. Et ils se sont mis à travailler, ils ont monté un syndicat, ils ont essayé de réfléchir, ils ont essayé d'avancer. Entre-temps, bon, Slow Food, Convivium de Tarbes, qu'on connaît bien, donc consommateurs hein, avertis, se sont mis avec eux, ils ont fait de la pub, on a fait des salons, voilà, on a fait de la mousse. Et aujourd'hui, 2019, depuis 3 ans, ils ont eu la AOC. Formidable. Le chemin parcouru. Et ils sont à peu près 70. Et bonne nouvelle, enfin moi je trouve c'est une bonne nouvelle, ils ont décidé de se limiter à 80. Au-delà, terminé. On a inscrit personne. Donc, parce que leur argument, c'est ils veulent pas devenir industriels. Donc, ils veulent rester petits producteurs de qualité. Hein. Alors là, aujourd'hui, vous pouvez trouver le cahier des charges sur Internet, hein, d'ailleurs, voilà, pour consulter. Et ils sont à 20 ports hectares. Alors là, on est dans le pâturage, on n'est plus dans un bâtiment fermé. Moi, je suis breton, j'ai appris le port, vous voyez, j'ai appris le port. Enfin, j'ai vu les ports coureurs aussi en Bretagne quand je suis parti dans les années 60 pour gagner ma vie. Bon, il n'y avait pas de hangar à 10 000 ports, etc. Ça n'existait pas, enfin pas 10 000 ports, mais peut-être 2 000 ports ou 3 000 ports, il n'y avait pas. Donc voilà. Donc si vous voulez. C'est des porcs coureurs, des porcs pâtureurs. Voilà. Ils mangent de l'herbe, donc 20 porcs par hectare, et un hectare de taillis ou de bois. Donc ils vont manger tout ce qui tombe de ces arbres, hein, des glands, des châtaignes, des églantiers, enfin tout ce qu'il y a à manger, ils mangent. Hein. Donc ils sont en train d'ailleurs d'aller dans la biodiversité hein, agroforesterie et ils sont en train de repérer donc les arbres environnants de façon à replanter et d'avoir un couvert végétal aromatique et nutritif aussi. Hein. Voilà, quoi dire encore? Donc c'est sauvé, on peut le manger. Voilà. Ce porc n'intéressait personne. Hein, dans les années 60, tous ces porcs de race que vous avez vus pendant 2 jours n'intéressaient pas l'industrie parce que ça pousse lentement. Vous voyez? On a un critère, parce que moi je viens de l'école, c'est le critère, le GMQ, le gain moyen quotidien. Moi j'ai été abreuvé de ça. Et on sait faire, nous, on sait faire. On donnait en face, on donne en face encore maintenant du soja américain ou brésilien, des céréales canadiennes ou américaines ou ailleurs. Et on fait du porc et on fait du porc blanc. Hein, on fait aussi de l'œuf et on fait aussi de la vache. La nourriture, c'est comme ça aujourd'hui. Il faut quand même se réveiller, mes amis. Hein. On n'est pas des bisounours. Hein. Il faut produire. Voilà. Donc ces porcs noirs n'intéressaient personne. Voilà. Ils avaient été abandonnés. Et bah grâce à ces gens que j'ai rencontrés, hein, moi je les honore aujourd'hui. Hein, pour moi, c'était une joie que de le rendre honneur dans ce qu'on m'a dégusté. Bah grâce à eux, aujourd'hui, on a sauvé la race. Hein, voilà. Et de façon économique. Hein, ça, c'était aussi un slogan de Slow Food, bon, propre et juste. Voilà, juste, c'est-à-dire, on ne va pas sauver pour sauver, on va sauver aussi pour manger. Hein, donc si c'est pas rentable, on n'y va pas. Hein, enfin, en tout cas, on peut y aller, mais ici, le but, c'était quand même d'en faire un revenu. Et si c'est rentable, ça va perdurer. Donc voilà, on a du porc noir pour des années maintenant. Hein, voilà, grâce à des gens passionnés. Hein, vous avez vu, j'imagine, dans ces 2 jours, des gens passionnés. Donc voilà. Alors, donc c'est un porc à croissance lente. Et puis, autre chose que moi, j'ai connue, le gras était devenu l'ennemi. Bon, je connais un peu l'histoire aussi, hein, qui vient des États-Unis, mais moi je me souviens de l'avoir vécu à la campagne. En cette saison, on faisait les foins. Comment on faisait les foins? On n'avait pas de tracteur. On était à 12 dans un champ, enfin, c'est pas moi, mais c'était mes oncles ou mes parents. Voilà, et à la faux, hein, à la faux, à la main, on était de front et on fauchait. Donc, on avait du gras, 9 calories par gramme, pour avoir de la force. Et puis, le temps avançant, le gras était devenu l'ennemi de la santé. Le porc a fondu. Vous voyez? Alors qu'il y avait une couche de porc,
une couche de gras de couverture, hop, le gras, il a fondu. Et la grande leçon, c'était de faire des porcs maigres. Avec que du maigre, le gras était l'ennemi. On le jetait même, le gras. Hein. C'est comme aux États-Unis, eh bien, on jetait le jaune d'œuf parce qu'il est gras. À cause du cholestérol, il jetait. Maintenant, il le mange parce qu'on leur a dit qu'il fallait le manger parce que le cholestérol, c'est une arnaque. Vous irez voir sur Arte, c'est très bien expliqué. Donc voilà, nous avons devant nous là une viande de qualité avec du gras. Et alors, je vais finir mon discours. C'est un gras oléique, en ce sens que ce porc qui fait la synthèse du gras, hein, de couverture et intramusculaire, donc des dépôts de gras entre les fibres musculaires, ce gras est de qualité, en ce sens que 50% environ, si vous avez, mettons, 100 grammes avec 30 grammes de gras, sur les 30 grammes de gras, il y a 15 grammes oléiques, comme l'huile d'olive, hein, l'acide gras oléique. Hein, donc c'est un acide gras monoinsaturé, donc très bon pour la santé. Ça, il n'y a pas de discuter, c'est bon pour la santé. Là, on le sait avec plein d'études. Donc, on a un porc qui est en plein air, donc il ne tombe pas souvent malade, hein, parce qu'il n'est il est pas stressé, hein, il n'est pas enfermé comme ses congénères qui attendent la cloche pour manger et qui se boufferaient, hein, entre eux. D'ailleurs, il y a des phénomènes des fois, ça existe. Voilà, il n'est pas stressé, il mange bien, il est pas, on le laisse faire, et donc on a un gras de qualité, on a une viande bien sûr également d'une protéine de qualité. Et on a cette chance aujourd'hui d'avoir ce porc qui a été sauvé. Alors, pour vous dire également que la nourriture, elle consiste de céréales, blé, orge, seigle principalement, qui doivent être cultivées localement. Pas d'importation, pas d'OGM bien sûr, et pas de soja, pas de tout autre soja. Hein. Pas de maïs non plus, merci, pas de maïs. Donc céréales locales. Voilà. Alors, bien sûr, au pâturage, qu'est-ce qu'il trouve ? Qu'est-ce que trouve le porc ? Eh bien, il trouve de l'herbe, il trouve des glands, je l'ai dit, il trouve des mollusques, il trouve des racines, et tout ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est les régimes méditerranéens, c'est les mollusques, c'est oméga 3, oméga 6, donc acide gras polyinsaturé. Pareil, l'herbe, c'est une source d'oméga 3 énorme. Voilà, donc ce porc est très bien nourri. Et en fait, il faut savoir que le porc, c'est le modèle, c'est l'animal qui ressemble le plus à l'homme. C'est un modèle d'étude. Hein. Bon, on ne peut pas trop l'étudier parce que ça coûte cher par rapport à une souris. Mais il faut savoir que ce porc, il nous ressemble. Donc le porc, qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il reçoit des oméga 3, des mollusques et de l'herbe, il va les fixer dans son gras. Donc là, tout à l'heure, vous allez manger des oméga 3, vous aurez votre dose pour plusieurs jours. Voilà. Donc... Alors, les oméga 3, c'est l'acide linoléique et l'alpha-linolénique, ce sont deux acides gras. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des précurseurs. Donc, c'est-à-dire que dans notre corps, en ayant ces précurseurs, notre corps, il sait faire, il est intelligent, il va allonger la molécule. On est sur du C18, donc 18 atomes de carbone, et bien avec des liaisons insaturées, ben, l'organisme, il va passer en C20, il va le faire, c'est l'enfoi, C20, C22, C24. Ben, au-delà, il ne va pas. Et ça, c'est hyper intéressant pour la santé. D'ailleurs, il y a eu un travail de recherche qui a été fait ici sur l'université par une chercheuse qui a, pendant 7 ans, avec une cohorte de 2500 personnes âgées, elle a suivi la façon dont ils se nourrissaient. Elle en a conclu que les acides gras polyinsaturés, c'était en prévention d'Alzheimer et des MLA. Hein, parce que les acides gras saturés se fixent sur la rétine. Hein, et voilà. Bon, je passe, j'arrête ça parce que sinon vous m'entendrez pendant une heure, c'est ma passion. Alors, ces porcs sont abattus à 14-18 mois et il faut minimum de 6 mois de pâturage avant. Et puis, ça fait des carcasses qui sont à 120 kg, donc c'est petite carcasse, voilà. Mais grasse, hein, c'est obligatoire. Alors, nous allons passer à la dégustation qui est bien sûr codifiée. Slow food, hein, c'est un peu notre label de maison. On a appris à déguster. Alors, vous aurez des fiches. Hein. Hervé, tu vas pouvoir donner des fiches. Voilà. Alors, les fiches sont faites. Donc, il y a deux choses dans la fiche. Il y a la colonne de gauche, c'est le protocole à suivre. Et colonne de droite, vous avez les mots. C'est des descripteurs sensoriels, donc des mots
qui sont proposés. Hein. C'est du travail fait avec des étudiants, avec également des professionnels. C'est une synthèse. Voilà. Et comme ça, vous avez le choix. Et c'est comme ça qu'on décrit. On ne peut pas faire autrement. Quand on décrit un vin, on le décrit par rapport à ce qu'on connaît dans notre mémoire. Quand on décrit un pain, c'est pareil. Et si on doit décrire un jambon, eh bien, on va aller chercher dans notre mémoire ce que notre mémoire nous dit. Hein, notre passé, on a des mots. Donc on décrit par analogie, en fait. Hein. On n'a rien à inventer. Hein. Si vous avez jamais goûté de beurre, vous pouvez pas parler du beurre. Voilà. Mais vous avez en mémoire, forcément, pour ceux qui l'aiment, la mémoire du beurre. Donc vous parlerez du beurre en parlant du jambon. C'est comme ça qu'on fait. Alors vous avez vu que l'essence, eh bien là, on en aura une plus. C'est le toucher, parce que vous n'allez pas avoir de fourchette. Vous allez toucher le jambon avec les doigts. Donc vous aurez des sensations tactiles, hein, de surface. Après, bon, l'œil, bien sûr. Alors là, je ne suis pas content parce que mon œil n'est pas satisfait. J'ai fait la même dégustation hier soir à l'ISNAB et j'avais demandé des morceaux de porc noir de Bigorre, mais brut, c'est moi qui les ai découpés. Voilà. Et là, j'avais du gras, j'avais même beaucoup de gras. Et alors, ce qui m'a fait plaisir, les étudiants, ils m'ont demandé, bon, je m'étais étonné, bon, ben, les temps changent, voilà, c'est très bien. Et là, je ne suis pas content parce que je n'ai pas assez de gras. Voilà. Donc, normalement, il faut du gras. Hein. Il faut pratiquement un bon tiers de gras, voire moitié gras, pour avoir un bon morceau. Enfin, c'est ce que je pense. Ceci dit, c'est très hétérogène, vous aurez du gras. Alors, ce qu'il faudra voir à l'œil, c'est vous regarderez la partie maigre et certains morceaux sont infiltrés de gras. Donc, c'est le gras intramusculaire, hein, qui a été déposé. Il faut à peu près 90 jours, hein, pour que la cellule adipeuse reçoive du gras. Il faut du temps pour faire le gras. Hein. Ouais, déstocker, c'est pareil, il faut du temps. C'est également assez long. Donc, c'est à regarder. Hein. Alors, soit le maigre sera entièrement maigre, soit il sera persillé, infiltré de gras. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Donc, là, il y a le toucher, il y a l'œil. Bien sûr, après, il y a le toucher aux lèvres, le contact. Il y a la déformation où on va commencer à broyer, à découper, à déformer. Et après, on rentre dans la mastication, texte de mastication. Et après, quand on aura avalé, il restera encore des sensations. Parce qu'au début, quand vous allez découper le grain, il est gros. Quand vous allez avaler, il sera fin. Donc, ça va durer quoi, 20 secondes, 30 secondes. Il se passe plein de choses. Donc, la texture est hyper importante. La texture, c'est, il n'y a pas que les arômes, que les odeurs. La texture, c'est une des préférences alimentaires de nous tous, et on a une bonne mémoire et on sait en parler, parce que les mots, il y en a 60, pas plus. Les arômes, il y en a des milliers d'arômes. Donc c'est très dur à décrire les arômes. Voilà. En plus, on n'est pas habitué à les nommer. Donc voilà l'affiche. Alors, vous noterez chacun pour vous, et après, on pourra faire une petite restitution de groupe pour savoir ce que vous avez ressenti. Voilà. Donc, alors chacun aura une assiette elles sont là quelque part. Voilà, c'est ça. Chacun une assiette et vous prenez, j'ai pas compté, mais vous prenez 3 morceaux. Hein, il y en a suffisamment, je pense. Hein. Attendez, on va faire un comptage rapide. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 120 morceaux. Même 150 morceaux, donc ça va aller, hein, 3 et 3 chacun. Alors, attendez, l'affiche, c'est l'affiche. Alors, c'est l'affiche, c'est ça, c'est l'affiche. Hein, alors vous inspirez de ça, mais vous pouvez rajouter, bien sûr, de votre cru, hein, vous pouvez rajouter. Allez, on peut donc distribuer. Vous prenez chacun 3 morceaux, puis vous faites passer aux autres. Voilà, même sur le plateau, là, après tout, on va le passer là-bas, derrière. Voilà, il ne faut pas tomber surtout, parce que si ça tombe, c'est un petit peu dommage. Bon, vous prenez 3 morceaux. Tenez, monsieur, prenez 3 morceaux. Voilà, ça, c'est du noir de Bigorre, hein. Ça, vous allez vous régaler, vous allez voir. Voilà, voilà, voilà. Alors, faites passer aux collègues. Ce que j'ai pas dit, voilà, tu fais passer aux collègues. Faites pas tomber surtout. Ce que j'ai pas dit, ce sont des morceaux. Vous les voyez, les morceaux. Ils sont luisants. Le gras est luisant. C'est comme si on avait badigeonné avec de l'huile. C'est très bon signe. Si un Bigorre n'est pas luisant, méfiez-vous. Il a mangé que des céréales. Il a pas mangé d'herbe. De loin, on le voit. Quand vous allez à l'étalage et que vous voyez un jambon
prêt à trancher. Si c'est pas luisant, il n'a pas pâturé. Ça peut être un bigorre, mais qui n'a pas pâturé. Pourquoi le gras est luisant? C'est parce que c'est le gras, ce sont les acides gras qui ont des points de fusion très bas, qui fondent naturellement. Et c'est, si vous voulez également régaler vos amis, il faut le chambrer. Moi, je suis allé chercher à 10 heures. Depuis 10 heures, il a température ambiante. Il faut le laisser chambrer. Voilà. Ne le passez pas au frigo, jamais, avant de déguster. Voilà. Donc, premier critère, il y a du gras de couverture intramusculaire. Deuxième, il est luisant. Puis troisième, vous y allez maintenant, allez-y. Hein. Voilà. Vous avez une fiche à côté pour vous aider. Bah, il en reste. Hein. Oui, j'avais compté qu'il y aurait... Alors, on y va par étapes. Premier morceau, en général, on fait le nez. Deuxième morceau, on fait la texture. Et troisième, eh ben, on fait les arômes. Alors, on prend en général plusieurs morceaux pour décrire le goût. Quand vous voyez du gras un petit peu jaune, c'est très bon signe. C'est du gras oxydé. Ça vous amène des goûts pas possibles. Ça, enfin, vous voyez, c'est épicé, c'est un peu brûlant, c'est un peu astringent. Voilà, ça donne des très très bons goûts. Moi, quand il est jaunâtre, je le recherche. Même le maigre peut être un peu oxydé. Ça, c'est très bon. Quand il est un peu cuivré, là, c'est... voilà. Alors, c'est à 21 mois. Donc, il y a presque 2 ans. En Bigorre, ça va entre 18 et 36 mois. Voilà, en l'affinage. Hein. Alors, au niveau du nez, pouvez-vous me dire des choses sur le nez? Des mots? Cuir? Donc animal, cuir? Noisette? Fruits secs, donc? Ah, bonjour. T'avais pas vu? Je peux vous aider. Oui, bien sûr. Alors, on a le droit, mais je peux aussi voir, parce que je donne des cours à des sommeliers, et les sommeliers m'avaient fait une description, je peux peut-être vous la citer. Oui. Renfermé ? Un peu le... Oui, c'est ça. Voilà. La pièce qui n'a pas été aérée pendant plusieurs jours. Oui, c'est ça, on est d'accord. Et tout ça, on connaît. Hein. Tout ça, on connaît. Hein. Voilà. Odeur de, oui, donc panier de 7, donc champignons, hein, voilà, sous-bois, boisé, mousse, copeaux, enfin voilà, tout ce qui est boisé, bois mouillé. Attendez, est-ce que j'ai la fiche des sommets? Oui. Alors animal, ça a été dit, cuir, corne, ferrique, animal, soin, poil mouillé, tout ça, écurie, lard. Le lard n'a été cité qu'une fois ici par un groupe de sommeliers. Donc oui, le lard, il n'arrive pas souvent. Le fruité, hein, le coin, le fruit, confit, fruits secs, noisettes. Ça a été dit, champignons, humus, moisissure, terre. Fumée aussi. Voilà, maintenant, ça c'était la... au niveau de la saveur. Alors la saveur, comme il a été salé, j'imagine que c'est salé. Alors, c'est brûlant ou c'est doux? C'est très fort ou... Ça va, c'est correct. Attendez, faut en prendre autre. Hein. À part le sel, oui, c'est une tuerie. À part le sel, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un peu de douceâtre, un petit peu de sucrosité? Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Hein. Il faut savoir que les protéines... sont dégradés, sont découpés en petits morceaux par les enzymes endogènes de la viande, hein, donc parce que dans le, vous savez, tout y est dans la viande, hein, les lipases et les protéases. Donc il se trouve que quand les protéines sont dégradées en petits morceaux, ça peut donner des acides aminés sucrés qui sont mélangés, bien sûr, avec ceux qui sont amers ou ceux qui sont salés. Voilà. Lars. Vas-y, non, mais c'est prévu pour. Hein. Ouais. Voilà. Quoi d'autre au niveau texture maintenant? Autre chose, est-ce que vous avez, certains ont eu une sensation de fraîcheur?
Oui. Alors ça, c'est quand le gras fond. Quand le gras va fondre, qu'est-ce qu'il lui faut pour fondre? Il faut de la chaleur. Donc il va piquer des calories aux muqueuses. Et en prenant des calories aux muqueuses, eh bien, on a une réaction endothermique et on a une sensation de fraîcheur qui est due au gras, à la fonte du gras. Ça, c'est une caractéristique du porc noir. Au niveau texture maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire la texture? Ça, vous devez être très bon en texture. Alors, c'est comment? Est-ce que c'est fondant? Est-ce que c'est tendre? Est-ce que c'est moelleux? Merci. Voilà, ça pas de résistance, donc ça se laisse pénétrer, voilà. Allez-y, hein, texture. Je peux vous aider si vous voulez. Bon, allez, attendez. Je vais prendre la fiche, savoir ce qu'ils ont raconté. Ah, bien sûr, faut faire attention, hein. Bon, moi, j'étais disons, responsable d'un laboratoire d'analyse sensorielle. Et pour moi, la viande, c'était un casse-tête. Parce qu'il n'y a pas un morceau qui se ressemble. Dans un même morceau, on a les extrémités, on a le cœur, c'est pas le même. Donc, au niveau méthodologie, pour arriver à déguster la viande, on s'accroche aux branches, on s'arrache les cheveux. Vous voyez, il m'en reste plus. Vous voyez, c'est que la viande, c'est un casse-tête au niveau méthodologie pour analyser. Actuellement, je travaille sur la béarnaise. On a beaucoup parlé hier de viande bovine, hein, avec le conservatoire. Mais je travaille sur la béarnaise. Hein, on est en train de la sauver. Il reste 300 têtes. Voilà. Elle est sauvée, ça y est. On travaille avec le Convivium de Pau, avec Gilbert. Hein, grâce à voilà, il se fait un travail exceptionnel. La Chambre d'agriculture, d'ailleurs, a mis maintenant un technicien à disposition. Donc voilà, c'est un casse-tête. Hein. Il n'y a pas d'animal qui se ressemble. Et ça, les bouchers le savent. Hein. On ne peut pas. On voit un animal de loin, il est bien dodu, etc. Non, non, non. Tant qu'il n'est pas en bouche, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire. La texture, qu'est-ce qu'on peut dire? Fondant, moelleux, la résistance. Alors, le mec va résister. Parce que dans la viande, il y a trois parties. Il y a la partie fibreuse musculaire, la partie grasse que vous voyez, et la partie soutien. C'est conjonctif, c'est le collagène. Alors, il y a des collagènes qui sont plus solubles que d'autres, voilà, donc les trois parties. Et ça, selon le morceau, on peut avoir de la résistance due au collagène. Hein, voilà. Alors, si je vous dis fondant, élastique, moelleux, fibreux, tendre, moelleux, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Au niveau aromatique maintenant, voilà, les arômes en bouche, qu'est-ce qui ressort? La noix, donc fruit sec, huileux. Très long en bouche. Est-ce qu'il y a un peu de rancidité ou pas? Est-ce que c'est rance ou oxydé? Non. Fruit sec, oui. Noisette, est-ce qu'il y est ou pas? C'est un grand classique, la noisette. Hein. On le retrouve d'ailleurs dans le beurre aussi. Normal, parce que c'est les molécules qui sont communes au gras. Hein. C'est au niveau lipolyse, voilà, ça vous crée des molécules un peu communes. Voilà, donc c'est aussi c'était pas un cours de dégustation, c'est juste une initiation, une découverte. Voilà, ça vous a plu, hein? Voilà, oui, ça vous a plu, parce que là, quand on a goûté ça, pour revenir en arrière sur du Bayonne ou du jambon, c'est très dur, c'est très très dur. Hein. Voilà, moi j'ai du mal, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que les jeunes se fassent leur mémoire, parce que quand on a goûté ça, vous allez vous en souvenir. Hein. Ah, c'est sûr. C'est sûr que. Alors, bien sûr, ça coûte cher. Hein. On est à 100 € le kilo. Bah oui, mais attendez. Voilà. Alors, si. Attendez. Bon, alors, je me suis fait des amis là-bas, des producteurs. Moi, je l'ai à 40 € en direct. Mais il faut aller le chercher. Voilà. Mais ici, c'est 100 € le kilo. Voilà. Voilà, 70. Et hier aussi, j'ai acheté du Bellota Bellota, donc le sommet du porc ibérique. Bah, c'est 180 kilos, quoi. Voilà, mais alors, quel souvenir, voilà, c'est très beau. Ah, vous voyez, alors, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que je suis sûr, je suis persuadé qu'on pourrait créer des filières comme celle-là. Hein. Et on l'a vu hier avec le réservoir génétique qu'on a avec ces races. Je suis sûr que si nous, les consommateurs, parce que c'est nous les responsables, si on achetait ce type de produit. Je vous engage à acheter du Pit et Pot, à le chercher, à le demander, parce que ça va. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des producteurs qui vont s'y mettre. Il y a pas, c'est pas du Pit et Pot qui va venir d'Italie ou ailleurs, ça va être de chez nous. Là, c'est pareil. Si vous achetez, il va s'installer un producteur, puis un autre, et puis un autre. Donc, toutes ces petites filières, comme on a vu, j'ai travaillé également avec à Tarbes, la poule Gascogne, la poule noire. Bon, c'est des petites troupes, c'est des petits troupeaux de 200 poules, 400 poules, je crois que c'est 200 poules maximum. Si vous la demandez,
elle va s'élever. Donc c'est nous, par notre façon d'acheter, qui vont impulser après une production agricole derrière. Hein, voilà.